Oui, chers compatriotes, Congolais, Congolaises, du monde entier, Dengue, Nalobaki, Nava, émission Mikoloyo. Tout à l'heure, Nazaï Kolanda, vidéo Moko, tout à l'heure, tout de suite là. Il y a peut-être une heure, Nazaï Kolanda, vidéo Moko. Amoni, Ndekonabiso, Papa Molière. Ndekonabiso, Papa Molière. J'étais obligé au centre-ville de Londres. Je suis maintenant à Piccadilly, au centre-ville de Londres, tout près de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Ça c'est le centre-ville de Londres. Nous avons vivre comme tout le monde vit sur la même terre. D'abord, je commence par féliciter notre frère Koffi Olomide qui a sorti une chanson patriotique en très peu de temps après le levée d'embargo contre les musiciens. En tout cas, félicitations Longonya à Koffi Olomide, notre artiste. Naïebi, bien que l'artiste ne soit pas emboîté par Wana. Mais le problème, il y a Papa Molière, ça m'a révolté et ça m'a indigné. Je suis dans le Parlement, exactement ce que j'ai l'habitude de dire, mais là, c'est une preuve à l'appui. Ils font la honte du monde, parce que vidéo, on les a circulé le monde entier. Bamindele, Bakumwindo, tout le monde, les Africains, les Blancs, Bakunyon, c'est pour ça qu'on a la vidéo. Mais imaginez, demandez-vous, quel type de moralité est-ce que vous vidéo où on a Papa Molière. Il y a plus important, parce qu'on vient à 15 000 $ US. Bamoussou, parce qu'on vient à 5 000 $ US. Bamoussou, c'est 7 000 $ US. Mais le collègue, il y a plus important, il y a 15 000. Mais à ajouter les choses. À l'objet, ceux qui ont accueilli les sources dans le monde, il y a Mingi, ils ne sont pas en aïe. Mais mes chers compatriotes, dans quel pays nous sommes? Quel pays? Congo, ils ont qu'un de Wafi, n'a pas pu y avoir. N'a pas pu y avoir. Ils ont qu'un tombe par les Tutsis, par les occupants, avec peu d'argent comme ça. Joseph Kabila, il a pris de 70 compagnies. Ce qui est un rapport, il y a Bloomberg. Plus de 70 sociétés, il y a Joseph Kabila Yemoko. Il a le port, il a les bateaux, il a plus de 50 milliards de dollars à Yibi Naboka Nabiso. Batunyos Batambu Mambouana Bazana Bamilliard. Baye envoyé par les Kagame et les Museveni pour détruire notre pays. Mboka Ezangi, Ezangi tout. Ce matin je regardais une vidéo, ma maman Nakati Azando, Bazali Nakati Amaï, toute la journée, Maya Kopola. Dans l'eau sale, au marché central de Kinshasa. Et pendant ce temps, on a tout le monde, on a des politiciens, ça veut dire Bango Bazali, Bato et Bastombi Congo pour la famille na Bango. Donc, et le coin est commis à Bango, dans la centre-ville de Londres, de Zaliwana. Puis ce temps, nous avons mis tout pour que Toko Tongambo Kanabiso pète et comme en Boka. Mais n'a pas tout y a un dingue dans la Koyokawana. Dans ma vidéo, ils ont construit il y a Banzela, il y a Mabé, donc, mais vraiment, ces gens ne se gênent pas. Je suis venu pour vous dire que Nazali est très révolté. Naïbisi, président Chilombo, s'il veut que nous puissions l'aider, mais pas de cette manière-là, pas avec ces gens-là. C'est pourquoi j'ai demandé que Naïnaïa, comme informateur, Poto Ponabatu Oyo, Bakoki, parce que voilà pourquoi du centre-ville de Londres à Piccadilly, aujourd'hui dimanche, le 13 aujourd'hui, le 13
décembre 2020, il y a quelques jours de Noël. Londres est confiné, mais vous voyez quand même Batubaza Kotambola, Batubaza Kotambola, Bazali, quand même na Esengo, que Bazali na Katia Mboka, Mboka est ça qui existe, Mbongo est ça qui circule, Moutignon est ça qui se retrouve. Si bateau est basé sur le Makamboya, corruption, ouvertement comme ça, et comme normal dans le Congo, que va corrompre 15 000, va corrompre 5 000, 10 000, il va corrompre un monde. En tout cas, c'est révoltant. Président Félix Antoine Tshilombo, ton papa, moi-même et tous les 13 parlementaires ne se sont pas battus pour écouter ce que je viens d'écouter ce soir. Voilà, après avoir écouté cette affaire-là, ma tête a sonné. J'étais obligé de sortir au centre-ville de Londres. Souvent, je ne sors pas. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de sortir Nayokozo mon pépé. Congolais, Kofungula Misu, Bajen Oya Kishasa, Bajen Yakongo Mubimba, Binomo Kuboyoki Molière. Donc, qui condimentait que Mboka est en train de corruption, est en train de terroriste, imposteur, politicien. Le temps est venu. Pour tout ça, la révolution. Le temps est venu vraiment. Je ne sais pas on ne peut pas continuer à accepter. Papa Molière. En tout cas, monde entier est suivre la vidéo. Nous sommes révoltés. Si le président Tshilombo veut que le Congolais l'aide, mais pas de cette manière-là. J'ai dit, je vous remercie. Nous sommes très révoltés. Trop, c'est trop. Maintenant, c'est la patrie ou la mort. Le Congo ne peut pas être suspendu par un groupe de voleurs qui sont en train de se corrompre mutuellement en disant « Oh, il y a quelqu'un qui est belé, finalement, nous sommes en train de construire quoi ?» Pendant ce temps, le peuple n'y a pas de misère. Donc, finalement, Mboka ya Congo n'existe que par le nom. Et voilà, le modèle ya Batu, publiquement comme ça, à l'aise à la télévision, il dit voilà, on nous a corrompus avec autant, pour qu'il y ait de côté ya Tshilombo, et puis après, ceux qui nous soient dans Mbongo Mingi, pour qu'il y ait de côté na ye. Alors, vraiment, c'est révoltant, je demande au président Félix Antoine Tshilombo, fils de Tshisekedi, je vous demande qu'honorer quand même mémoire à Papa Nayo. Honoré par 13 parlementaires, par Kanana, par Makandampinga, tout ce monde-là, peuple congolais, ils ne sont pas morts pour voir ce que je viens d'écouter aujourd'hui. Donc, trop c'est trop, nous devons arrêter maintenant. Que Dieu bénisse le Congo et je suis avec vous. Merci beaucoup. Et pour la musique, la levée d'embargo est totale et non partielle. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. En tout cas, l'Italie est allée parce qu'elle s'est retrouvée dans le cadre de la boulotte. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Comme ça, ils ont été en train. Parce que souvent, ils ont été ensemble pour se faire. Mais leur mot est en train de se faire. Oya ya kwabit na buloko bangunya so bakimi o ya abeli amona ka batute bozaki na kombata moko akomo na ye Che Guevara endo tuna bande kuna biswa Che Guevara za wapi ba yebite me azaki un grand combattant awa me ler makambo ekwela ile ekwela ile ayaki na ndaku nanga lelo azam kobela za quelque part bango ba yebite place azali si musique na si combat na bango ezaka kopona kolanda ba militaire na sima si ko te lobby trop c'est trop c'est fini. Dès que l'Europe et l'Amérique, partout le monde entier, dans le fond, la ville de Bangoko, dans le coronavirus, en tout cas, les musiciens de Bissot, dans le calme, dans le calme, dans le calme, dans le service, dans le informé, dans le calme, dans le calme, les policiers, dans le calme, dans l'image, dans le calme, dans le calme, dans le calme. Parce que le mobile du combat est déjà terminé. Maintenant, le combat doit se faire sur le terrain au Congo. Tout est ouvert au Congo. C'est Félix Tshisekedi, c'est moi Namboka, ce n'est pas Joseph Kabila. Donc, la politique est dynamique. Aujourd'hui, là, la raison d'être, il y a un combat où il y a tout ça, là, les bossos, les gens, ils sont tous. Vous faites le mythe, merci, félicitations. Salam Moussala Nayo, Zouadon Nayo, Salé Namboka Nayo, Bamisé Moussousou, Babima, Bayembe Namboka. Heureusement que Yo Obimimbangu,
comme ça on fait si ton abandé qu'on a vu sur les musiciens va faire va Fali va Jibem Piana va Werason va Bozali et Belé Bobi ma bo bande musala na bino bo bande ko planifier na ba producteur na bino ngai moko na ko faciliter bino tâche na ba service de sécurité na ba service ya police na ba gouvernement oyo na ko faciliter bino tâche bo sala musala na bino. Je suis le grand patriarche de Londres, je fais la résistance patriotique congolaise, je fais la politique du Congo depuis plus de 40 ans, je sais de quoi je parle, je suis lobby na ko ye bande ngini to aussi sa problème oyo et si ici il n'y aura plus d'embargo de l'engagnon sur Kobima. Vous filmez, vous tenez le bisou à la vidéo, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Congo. Parce que vous avez un peu de temps, même s'il a un passeport britannique, il a un passeport belge, il a un passeport français, il sera traité comme un délinquant. Et de là, il sera renvoyé au Congo, le passeport va être en Yango. Parce que aucun pays au monde ne peut accepter qu'un délinquant fasse du terrorisme dans son propre pays. Le temps, il y a Bitumba, il y a Kubunda entre bisous. Abouo, ya, vive le Congo, vive la patrie Congo. Je vous remercie.